À l'école où nous avons appris l'ABC, la maîtresse avait des méthodes avancées. Comme il fut doux le temps, bien éphémère, hélas, où cette bonne fée régna sur notre classe, régna sur notre classe. Avant elle, nous étions tous des paresseux, des lèvres nés, des cancres, des crétins crasseux, en travaillant exclusivement que pour nous. Les marchands de bonnets d'âne étaient sur les genoux, étaient sur les genoux. La maîtresse avait des méthodes avancées. Au premier de la classe, elle promit un baiser. Un baiser pour de bon, un baiser libertin. Un baiser sur la bouche, enfin bref, un patin. Enfin bref, un patin. Au pupitre d'alors, quelque chose changea. L'école buissonnière eut plus jamais un chat. Et les pauvres marchands de bonnets d'âne craquent, connurent tout à coup la faillite, le crack, la faillite, le crack. Lorsque le proviseur, à la fin de l'année, nous lut les résultats, il fut bien étonné. La maîtresse, elle rougit comme un coquelicot, car nous étions tous pris d'excellence ex-écho, d'excellence ex-écho. À la récréation, la bonne fée se mit en devoir de tenir ce qu'elle avait promis. Et comme elle embrassa 40 lauréats, jusqu'à une heure indue, la séance dura, la séance dura. Ce système, bien sûr, ne fut jamais admis par l'imbécile alors recteur d'académie. De l'école, en dépit de son beau palmarès, on chassa pour toujours notre chère maîtresse, notre chère maîtresse. Le cancre fit alors sa réapparition, le forant thème est redevenu l'exception. À la fin de l'année suivante, quel fiasco, nous étions tous derniers de la classe ex-écho, de la classe ex-écho. À l'école où nous avons appris l'ABC, la maîtresse avait des méthodes avancées. Comme il fut doux le temps, bien éphémère, hélas, où cette bonne fée régna sur notre classe, régna sur notre classe.